Déposez-moi à mes bureaux. Quoi encore? Comment ça, vous ne pouvez pas nous livrer? Je me contrefiche que des abrutis de bouffeurs de soja vous empêchent de les tuer! Je m'en fous! Je m'en fous! Je vous préviens que si je ne reçois pas les visons et les ratons laveurs que je vous ai commandés, je me ferai un plaisir de venir dépecer vos ridicules petites fesses cramoisies, répugnantes et flasques. Et je me ferai un plaisir de serrer vos forces jusqu'à les faire exploser. Je hais les humains. Je vous hais tous. Bouge pas trop, ma chérie, s'il te plaît. Coucouille. Où vas-tu donc, Coucouille? À la poubelle. Voici la collection Astrakhan. Super. Les bébés Astrakhan sont directement retirés du ventre de leur mère quelques jours avant de naître pour que leur poil soit plus doux. Quelle brillante idée, ces éleveurs. Où vont-ils chercher tout ça? Bon, j'en ai vendu un à Madonna qui a adoré. Tiens, ça c'est la collection raton laveur. Et tu sais comment on obtient leur fourrure? Laisse-moi deviner. Électrocution par le fion? Bravo. J'adore. Bon, c'est un matériau très noble, qui revient à la mode en ce moment. D'ailleurs, pour faire sa écharpe, il a fallu en tuer trois. Sans sas. Les éleveurs économisent l'achat de nourriture en donnant la carcasse des autres après les avoir électrocutés par... le fion. Mais alors, tes mannequins sont vraiment grasses. Oui. Ah, ça me frisote les poils du cul. Je peux pas regarder. Je peux pas. Il me faut un petit quelque chose. Prozia. Champagne. Quand je pense qu'on tue des baleines pour maquiller ses tons, il n'y a vraiment pas de justice. T'as entendu, ladron? Ça dégage. J'adore pas. Impressionne-moi, Coco. Impressionne-moi. Okay. Alors tiens-toi prêt, parce que voici la collection Loup d'Asie. Tout à fait exquis. De quel animal s'agit-il? C'est du chien. Oh. C'est la frontière où on leur donne l'appellation de loup de Chine. Tous ces crétins qui s'offusquent parce que les Chinois mangent du chien seront des milliers à porter du clébard sur leur dos. Ah, c'est bon. Propose idée à Jean-Paul Gaultière, je suis sûr qu'il va adorer. Tu es diabolique, ma coco. Mais vous avez pas l'impression que c'est pas très gentil tout ça? Je veux dire, pourquoi leur faire du mal? Ici, la maison Cruello est un temple de la haute couture. Nous définissons ce que les gens riches et moins riches porteront demain. La mode se démode, la classe jamais. Et c'est à nous qu'il incombe cette lourde responsabilité de définir ce qui est classe, de ce qui est ringard. Et la classe est parfois cruelle, je l'admets. 56 millions d'animaux sont tués chaque année pour la fourrure. Il faut environ 50 visons pour créer un seul manteau. 50 petites créatures pour confectionner 2 mètres de peau morte. Et pour le même genre de manteau, tu peux compter entre 3 à 10 loups, minimum 25 ratons laveurs ou encore une dizaine de lynx. Les différentes méthodes pour les tuer sont le gazage, l'électrocution anale ou encore l'empoisonnement par produits chimiques. Et ce n'est pas tout. Les milliers de tonnes d'excréments que relâchent ces animaux sont une catastrophe pour les écosystèmes marins. Et je ne te parle même pas de tous ces tanneurs du Bangladesh dont l'espérance de vie n'excède que très rarement 50 ans. L'industrie de la fourrure et du cuir fait partie du top 5 des plus polluantes au monde. Mais je consens à ce juste sacrifice. Ma peine est grande. Discount. Non, en fait, je m'en tape.
Ce business représente 40 milliards de chiffres d'affaires par an et ça continue de monter. Alors Cocouille, intègre bien que la vie de millions d'innocents n'est rien en comparaison de la bonne santé du marché de la mode. Nous, les créateurs, n'avons que faire de votre... compassion. Tu es si cruel et si méchant, Cruello. Oui. J'adore.